Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce cours, donc 9e de la série des cours d'histoire de l'Europe centrale et orientale. Je l'enregistre de chez moi, car comme vous le savez, les universités, dont la nôtre, sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Il en sera probablement de même pour le 10e et pour la séance de révision qui suivra. Donc ce cours aujourd'hui, dont vous avez reçu le plan, concernait la normalisation des relations avec l'Europe de l'Est, 1969-1981, hein, cours donc qui devait être donné le 16 mars, hein, et donc je vous propose de suivre ici l'intégralité du cours, ce qui pourra s'ajouter aussi aux fiches de révision que vous allez recevoir aussi, comme d'habitude, afin que cette fermeture eh bien, ne puisse pas trop nuire à la fin de ce semestre, en tout cas dans le cours que vous suivez avec moi. Alors, comme d'habitude, vous avez reçu le plan en trois parties. Je vous le rappelle rapidement. D'une part, première partie, la gestion hein, de l'après-Prague après 1968, hein, écrasement du printemps de Prague, on y reviendra. Deuxièmement, on va voir comment se met en place une nouvelle détente hein, de 1973 à 1975, c'est-à-dire qu'après la mise en place de l'Ostpolitik, hein, qu'on va voir dans un instant, mise en place par Willy Brandt de 69 à 74, eh bien en effet, comme je vous l'avais indiqué d'ailleurs la dernière fois, se met en place détente, une véritable détente cette fois-ci, au travers de la conférence d'une part et des accords d'Helsinki entre 1973 et 75. On verra donc comment cette nouvelle détente, hélas, ne dure pas très longtemps puisqu'elle est remise en cause par la crise des SS20 en 1977. Et enfin, troisième partie, la fin d'une époque, oui, parce que tout simplement, eh bien, les Soviétiques, hein, pour contourner en quelque sorte les accords d'Helsinki, vont se lancer dans une aventure militaire malheureuse, hein, en envahissant l'Afghanistan 79, qui sera en fait une guerre, une guérilla pour contrôler ce pays d'Asie centrale qui va prendre énormément de temps, que les Soviétiques ne gagneront jamais. Je vous rappelle que l'Afghanistan est toujours surnommé le cimetière des empires, et ça n'est pas pour rien, on le verra. Toujours dans la fin d'une époque, dans cette troisième partie, ben, on reviendra sur le bloc de l'Est, bien sûr, et la crise polonaise de 80-81. À nouveau, rien ne va plus dans le bloc, hein, et on verra pourquoi. Voilà ce qu'on va voir ensemble dans ce cours numéro 9. Vous avez deux ouvrages en référence, hein, et puis quelques illustrations que je vous ai envoyées, notamment l'ouvrage de Jacques Andréani sur le piège d'Helsinki, et puis un colloque qui s'est tenu ici en 2005, hein, donc il y a une quinzaine d'années maintenant, sur la réunification de l'Europe, comme auteur Christine Manigan, Elisabeth Duréau. C'était un colloque, comment dire, dont j'ai participé à l'organisation à l'époque, qui faisait bien le point des recherches sur cette détente d'Helsinki, qui est quand même la phase centrale de ce que nous allons voir. Alors, première partie, hein, si vous voulez, la première partie donc de cette période qui nous mène de 69 à 81. Bon, je vous rappelle brièvement ce que nous avons vu la semaine dernière, la période de Gaulle, hein, donc de 58 à 68, qui avait ouvert une voie à la détente, au début avec sa politique indépendante, hein, son retrait de l'OTAN, la tentative de conférence internationale, hein, la main tendue à Khrouchtchev en 1960, hein, pour faire une conférence à Paris basée sur le désarmement. Tout cela, hélas, a échoué, hein, échoué à cause de l'affaire, notamment de l'avion espion U2, on avait vu ça, hein, rappelez-vous, et puis de toute une série d'événements problématiques qui se sont mis en place dans ces années 60, hein, avec notamment, bien sûr, l'érection du mur de Berlin en 61 et la fin de la décennie, l'année 68, marquée par l'écrasement du printemps de Prague. Toute cette période précédente qu'on a vue, il faut retenir essentiellement la relance du couple franco-allemand, hein, ça vraiment sa mise en place, c'est là que ça se fait. Je vous rappelle que le couple franco-allemand, tel qu'on l'entend aujourd'hui, est vraiment né en 1925 avec les accords de Locarno entre Aristide Briand et Gustav Stresemann. Eh bien, De Gaulle et Adenauer relancent la chose, les accords de l'Élysée, 1963, on a vu en détail tout ça la semaine dernière, et c'est ça qui va permettre, en effet, dans la période qui nous intéresse aujourd'hui, de mettre en place, en effet,
ce qu'on va appeler donc l'ost politique, hein, que le chancelier d'Allemagne de l'Ouest, Willy Brandt, va mettre en œuvre. Une hoste politique qui va pouvoir mener directement, cette fois-ci, à une détente relativement confirmée avec les accords d'Helsinki de 1975. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Aussi au niveau des soviétiques, hein, du personnel soviétique, ne pas oublier, hein, que c'est assez simple, hein, on a la période donc de Khrouchtchev qui tente les réformes avec la déstalinisation, on sait comment ça échoue, hein, et ça va de 1953, mort de Staline, hein, à 1964, date à laquelle Khrouchtchev, qui décidément en avait trop fait dans un sens ou dans un autre, est tout simplement destitué, hein, de son poste de secrétaire général de l'Union soviétique, hein, et remplacé par un pragmatique, hein, quand même un conservateur, qui va ne pas prendre les bonnes décisions malheureusement, et préparer la chute de l'Union soviétique. Ce personnage, c'est Léonid Brejnev, qui accède au pouvoir en 64, hein, et qui mourra en fonction en 1982. On verra en détail la semaine prochaine les détails de tout cela. Côté États-Unis, la période qui nous intéresse est marquée principalement par le président républicain Richard Nixon. Richard Nixon, qui, bien que destitué en 1974 dans l'affaire du Watergate, enfin, disons qu'il a démissionné pour éviter l'impeachment, sera quand même de 69 à 74, c'est-à-dire un mandat entier plus le début d'un autre, un président qui mènera beaucoup d'initiatives en matière diplomatique. Il sortira les États-Unis de la guerre du Vietnam, mais aussi il aura un rôle important en impulsant, bien sûr, en soutenant la phase qui va nous mener aux accords d'Helsinki. Hein? Donc ça, c'est relativement important pour la période que l'on voit. Il part en 74, son successeur et son vice-président, Gerald Ford, de 74 à 77. Pas grand-chose là à en retenir, bon, si ce n'est qu'évidemment, il emmagasinera les bons effets des accords d'Helsinki. Il succédera Jimmy Carter, démocrate de 77 à 81, période assez sombre. On aura l'occasion d'y revenir sur le plan des relations internationales pour les États-Unis, malheureusement. Alors, première partie, la gestion de l'après-Prague en 68. Évidemment, les Soviétiques, on l'aura bien compris, bien qu'ayant mis en place la répression de ce printemps de Prague, parce qu'ils n'avaient pas compris ou pas vu comprendre ce que pouvait être, hein, ou pas voulu comprendre ce que pouvait être ce, comment dire, ce, cette volonté de statut, de montrer une autre forme de socialisme, qu'aurait été le socialisme à visage humain, hein, eh bien, on envoie les chars, cette fois-ci c'est le pacte de Varsovie, moins la Roumanie qui se taille une image de pays ouvert, alors qu'évidemment c'est en trompe-l'œil. Et puis, Brejnev, rapidement, le constat est là, l'Union soviétique est quand même en train de dévisser sur le plan économique, et il va falloir reprendre l'initiative. Alors, comment faire pour reprendre cette initiative? Eh bien, cette fois-ci, c'est l'Allemagne de l'Ouest, hein, il faut bien le dire, qui va ouvrir la voie. C'est-à-dire que le couple franco-allemand, qui avait été mis en place, donc, rappelons-le, avec les accords de l'Élysée, 63, avec De Gaulle et Adenauer, eh bien, là, les choses vont repartir, mais cette fois-ci du côté Allemagne de l'Ouest. Pour la France, je le rappelle brièvement, de 1969 à 1974, il s'agit de la présidence du successeur de De Gaulle, hein, son ancien Premier ministre, Georges Pompidou, qui mourra malade en fonction, hein, je le rappelle, en 1974. Pompidou va poursuivre la politique d'ouverture, hein, menée par De Gaulle vis-à-vis du bloc de l'Est, mais surtout, chose très importante, et on va le voir dans le cadre de l'ost politique, hein, eh bien, Pompidou, bien sûr, sera en total parallélisme avec la politique que va mettre en place Willy Brandt, notamment quand il va s'agir de reconnaître la RDA, hein, de façon conjointe. Hein, ce sera un grand moment qui préludera tout simplement aux accords d'Helsinki. Alors, centrons-nous maintenant sur donc cette hoste politique, hein, que le chancelier allemand Willy Brandt, hein, va mettre en place. Willy Brandt, ça sera le quatrième chancelier fédéral, hein, d'Allemagne, hein. Il va donc
dès qu'il arrive, envoyer un certain nombre, dès qu'il arrive au pouvoir, un certain nombre de signaux. Alors, c'est un social-démocrate, hein, le parti SPD, hein. Il est au pouvoir du 21 octobre 1969 au 7 mai 1974. Et il aura comme successeur un autre social-démocrate, Helmut Schmidt, de 74 à 82. Puis ensuite, ce sera. Alors, Helmut Schmidt, c'est lui qui va affronter la crise des SS20, dont on parlera tout à l'heure. Puis ensuite, le successeur extrêmement connu, hein, bien sûr, pour l'Allemagne de l'Ouest et puis pour l'Allemagne tout court, bah, ce sera le conservateur Helmut Kohl, hein, qui excellera aux affaires en 82 jusqu'en 98, un des plus longs mandats, Angela Merkel exceptée, hein, mise à part, de l'histoire de l'Allemagne. Ce sera le chancelier de la réunification allemande, hein, qui aura lieu le 3 octobre 90. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que va faire donc Willy Brandt pour poursuivre un peu cette tentative d'ouverture à l'Est? Alors, on se souvient, en 1956, De Gaulle avait une aubaine dès qu'il arrive en 1958 au pouvoir. Bah, c'est d'une part l'axe franco-allemand qui remet en place avec Adenauer, et puis surtout le fait que Khrouchtchev, après l'écrasement du printemps de la révolution hongroise en 56, voulait absolument, hein, absolument, donc tout simplement trouver une voie de détente. Ben là, c'est un peu pareil après 68, hein, l'écrasement du printemps de Prague. Les Soviétiques se disent peut-être qu'ils sont quand même allés un petit peu trop loin, hein, en liquidant les pauvres Novotny et Doubchek. Et donc, ben cette fois-ci, c'est l'Allemagne de l'Ouest, hein, qui va reprendre l'initiative. Et ça vient très vite. Dès le 12 août, hein, 1970, eh bien, il y a la signature de deux traités, hein, avec donc l'Union soviétique. On appellera d'abord le traité de Moscou, hein, signé le 12 août 70, et un autre avec la République populaire de Pologne, signé le 7 décembre 70. Ces deux traités qui sont signés sont très importants, car ils vont ouvrir l'ost politique de Willy Brandt et la détente. Ce sont des traités qui garantissent tout simplement l'inviolabilité des frontières. C'est-à-dire que tout le découpage, si vous voulez, qui avait été fait des suites des débuts de la guerre froide, eh bien désormais est entraîné par et entériné par les signatures de traités internationaux. Cela veut tout simplement dire que l'Allemagne de l'Ouest, un pays pivot quand même, notamment avec toutes ses bases occidentales de l'OTAN qu'elle a sur son territoire, eh bien, reconnaît en effet les frontières avec ses voisins de l'Est et notamment avec la Pologne, ce qui n'est pas rien entre l'Allemagne et la Pologne, on sera d'accord, et surtout l'Union soviétique. Donc, stabilisation. Hein. Donc, premier traité. Première chose, le 12 août 70. Deuxième élément, le 7 décembre 70, ce traité qui est signé avec la Pologne, notamment sur l'inviolabilité de la fameuse frontière Oder-Neisse, hein, qui a toujours été un problème, je vous le rappelle, depuis l'entre-deux guerres. En même temps, toujours dans ce deuxième point de l'ost politique, hein, Willy Brandt accompagne cela d'un voyage qu'il fait à Varsovie, hein, la capitale de la Pologne communiste. Hein, et lors de ce voyage, eh bien, il va se rendre au mémorial, hein, de l'insurrection du ghetto et de la ville de Varsovie qui avait eu lieu en 1944. Et il va demander pardon à genoux. Au pied de ce mémorial, en déposant une gerbe au peuple polonais pour ce que l'Allemagne nazie lui avait fait subir. C'est un geste très fort. On se souvient quand même, on n'est que en 1970 quand même. Hein, donc, si vous voulez, on est à 15 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, 25 ans seulement après, hein, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, faire ce geste, c'est quelque chose évidemment qui est très fort et très fortement ressenti comme un geste d'apaisement. Puis, le troisième point concerne le 3 septembre 1971, toujours dans l'ost politique que mettra en place Willy Brandt, avec la signature d'un traité quadripartite, hein, sur le statut de Berlin, signé le 3 septembre 1971.
Qu'est-ce que ça veut dire que ce traité quadripartite? Comme son nom l'indique, il est signé par les quatre puissances qui occupent toujours Berlin, même si Berlin, donc pour l'Est en tout cas, est la capitale, hein, de l'Allemagne, comment dire, de l'Est, hein, de la RDA, je vous le rappelle, Bonn étant la capitale de la RFA. Hein, et ce traité, bah, entérine définitivement la division de Berlin, hein, entre ces quatre zones, hein, la zone soviétique qui est la capitale, donc pour les Allemands de l'Est, et puis les trois zones occidentales, hein, qui forment Berlin-Ouest. Stabilisation, on entend par là que, eh bien, 10 ans après la construction du mur de Berlin en 61, eh bien, il n'y aura plus, hein, et c'est bien ce que l'on entend, comment dire, dans ce traité, qu'il n'y aura plus de contestation, plus de menaces, n'est-ce pas, comme on avait vu en 1948, hein, de tentatives de blocus, hein, et d'occupation par les soviétiques de toute la zone occidentale de Berlin. Donc là aussi, point très important de détente. On montre vraiment là, dans tous ces gestes, hein, ces deux traités, ce traité avec l'URSS en août 70, ce traité avec la Pologne en décembre 70, le geste, comment dire, de pardon fait par Willy Brandt à Varsovie à la même époque, le traité quadripartite, vraiment décidément, l'Europe, hein, derrière le couple franco-allemand, là, montre vraiment son désir, hein, de tout simplement mettre un terme à cette triste époque, donc de la guerre froide, qu'on essaie vraiment de transformer en détente. Quatrième point, c'est, alors là c'est absolument fondamental, c'est le 22 décembre 1972. 22 décembre 1972, notez-le bien, c'est tout simplement la reconnaissance officielle, mutuelle, de la RFA qui reconnaît l'existence de la RDA et vice-versa. C'est-à-dire que les deux Allemagnes divisées depuis 1948-49, eh bien, reconnaissent officiellement leur existence, hein, et elles vont entrer toutes les deux, en plus, au sein de l'ONU. Rappelez-vous, mes amis, 1925, traité de Locarno, hein, où l'Allemagne avait, comment dire, grâce à ce traité de stabilisation, pu en quelque sorte racheter sa position de dignité dans le concert des nations en entrant la SDN. Bah là, c'est un peu la même chose. 21 décembre 1972, les deux Allemagnes se reconnaissent mutuellement, les deux Allemagnes rentrent à l'ONU. Hein, et le 9 décembre 73, hein, c'est-à-dire le 9 février, pardon, 73, c'est-à-dire quelques mois plus tard, hein, eh bien, la France de Georges Pompidou, hein, qui n'a pas oublié les accords de l'Élysée de 63, eh bien, fait exactement la même chose vis-à-vis de la RDA qu'elle reconnaît elle aussi. Triomphe total du processus d'alternance de fonctionnement dans le domaine du couple franco-allemand. Très important, signe très très important dans le cadre de la marche vers la détente et de la validation, si vous voulez, de l'host politique, hein, de Willy Brandt. Cinquième point, 1973, c'est donc la signature du traité, dit traité de Prague. Cette fois-ci, il s'agit un peu de la même chose que pour la Pologne, mais concernant les frontières avec la Tchécoslovaquie. Là, c'est pas à 1939 que ça nous renvoie, mais à 1938, hein, et à la fameuse question des Sudètes, hein, et des différents problèmes de l'Allemagne, hein, donc entre l'Allemagne de l'Ouest, hein, l'Allemagne tout court, hein, et ses relations avec les Tchécoslovaques. Ainsi, voilà, en quelques points, ce qui va ouvrir, hein, au chemin, vraiment, qui vont permettre de mettre en place, hein, à partir de 73, eh bien, les premiers contacts, les premiers pourparlers de cette grande conférence, hein, que l'on va tenir, eh bien, en terrain neutre, si je puis dire, c'est-à-dire en Finlande, à Helsinki. Territoire choisi, ville choisie, parce que quelque part à mi-distance, hein, entre le monde soviétique et les pays occidentaux, hein, terrain neutre, c'est logique aussi pour faire une conférence internationale. Ça nous fait rentrer dans la deuxième partie du cours de ce matin, hein, cette fois-ci concernant les débuts donc de la conférence d'Helsinki.
quelle va être l'idée de cette conférence d'Helsinki qui aboutit aux accords d'Helsinki en 1975? Eh bien, c'est très simple. L'idée va être de mettre, comment dire, tout le monde, Est-Ouest, différents pays d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest, plus l'Union soviétique, évidemment, et l'Europe et les États-Unis, autour de 10 points fondamentaux qu'on appellera le décalogue, et qui va permettre de stabiliser, de transformer toute cette zone, même si elle reste divisée entre l'Est et l'Ouest, en un espace de coopération commune autour donc de ces 10 points fondamentaux. Alors les travaux sont ouverts le 3 juillet 1973. Tous les pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest y participent, sauf l'Albanie. L'Albanie qui, depuis les années 60, hein, disons depuis la fin de la déstalinisation, en fait, hein, donc c'est-à-dire le milieu des années 50, a quitté la zone d'influence soviétique pour être dans la zone d'influence chinoise, hein, et va rester d'ailleurs de façon complètement autarcique de cette manière jusque le milieu des années 80, hein, date de la fin de son leader Enver Hoxha. Mais néanmoins, à part ça, tout le monde participe à cette conférence d'Helsinki. Les États-Unis, c'est évidemment Nixon, hein, côté États-Unis, puis ensuite, j'ai dit tout à l'heure, son vice-président Gerald Ford, après le départ de Nixon. Pour l'URSS, bah, c'est Brejnev, hein, qui, lui, trouve enfin là une voie de détente. C'est pas parce que Brejnev est devenu un réformateur, loin de là, mais c'est tout simplement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, parce qu'il s'agit ici de se dire que bah, on n'a plus trop le choix maintenant que de trouver une voie de détente avec l'Europe de l'Ouest, avec l'Ouest, pour tout simplement relancer un petit peu la machine soviétique qui est de plus en plus grippée sur le plan économique, hein, puisque les réformes ne marchent pas, la mise en place des plans quinquennaux se grippe de plus en plus. Il est donc temps, hein, de faire quelque chose. Pour la France, donc ce sera Georges Pompidou en 1974, remplacé par Valéry Giscard d'Estaing, dans la mesure où Pompidou, bah, comme vous le savez, disparaîtra d'une maladie en 1974. Pour la Grande-Bretagne, ce sont les premiers ministres Edward If, conservateur, auquel succédera Harold Wilson, travailliste. Les accords donc sont signés le 1er août 1975, hein, par 35 États. Et bien sûr avec la caution des États-Unis, de l'URSS et du Canada. Et les 10 points qui vont concerner donc ce décalogue, hein, auquel tous ces pays vont désormais s'engager, hein, à respecter ces 10 points, et vous allez voir que c'est important, eh bien, les voici. Alors le premier des 10 points, du décalogue décidé à Helsinki, hein, c'est-à-dire la loi sur la déclaration sur les principes régissant les relations entre les États participants. Donc, premier point, le respect des droits inhérents à la souveraineté des États. Terminé, il n'y aura plus jamais de contestation de frontières. Donc, terminé les remous, a priori, dans le bloc de l'Est, enfin, du moins, on espère. Deuxième point, le non-recours à la menace ou à l'emploi de la force. Très important, terminer les répressions genre 56, genre 68. L'inviolabilité des frontières, je viens de le dire, désormais, stabilisation en Europe, hein, et en effet, on a vu à quel point l'ost politique de Willy Brandt avait été dans ce sens. On respecte, quatrième point, l'intégrité territoriale des États. Cinquième point, on s'engage à régler pacifiquement tous les différends, donc recours systématique à la diplomatie. Sixième point, non-intervention dans les affaires intérieures. Bien sûr, hein, c'est-à-dire que désormais, eh bien, dans chaque État, eh bien, on ne va pas aller, comment dire, s'ingérer s'il y a différents problèmes. Septième point, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors ça, c'est très important parce que cela veut dire aussi que les arrestations arbitraires, les procès politiques, bah, tout ça en théorie, c'est fini. C'est plutôt quelque chose qui est lancé, si vous voulez, vers le camp de l'Est, hein. Huitième point, l'égalité des droits des peuples et des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Extrêmement important, hein, sur l'aspect cohésion même des États. Coopération entre les États, ça c'est le neuvième point.
Et puis, dixième point, exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international. Et oui, nous y revoilà. Les accords d'Helsinki, s'il y a une seule chose à retenir de tout ce que je vous ai dit depuis quelques minutes, eh bien, c'est que c'est le grand retour du droit qui est désormais le droit international, la loi internationale reconnue entre les États qui désormais doivent, eh bien, primer sur l'emploi de la force. Voilà, ça c'est très important, car tout ce qu'on a vécu entre 1948 et 1975, eh bien, a quand même été plutôt l'inverse. On en sera bien d'accord. Tout ça donc est signé le 1er août 1975, et puis, pour, comment dire, que tout cela s'exécute de bonne manière, qu'il y ait quelque chose de mis en place pour que cela fonctionne, eh bien, on crée ce qu'on appelle la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, qui sera un organisme permanent international chargé de veiller à l'exécution des accords d'Helsinki. Cette CSCE, Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, existera jusqu'en 1995. Elle sera ensuite remplacée par l'Organisation pour la sécurité et la coopération d'Europe, l'OSCE. Et l'objectif, eh bien, ce sera de favoriser le dialogue et la négociation entre l'Est et l'Ouest. Et vous me voyez venir, c'est pour ça qu'Helsinki, certes, est important parce que c'est un point de détente dans l'histoire de l'époque, bien sûr. Mais deuxièmement, c'est un point important aussi. Pourquoi Helsinki? Bah parce que l'application du traité d'Helsinki, et vous le comprenez tout de suite, par les deux organisations dont je viens de vous parler, va permettre d'être le levier qui mènera ensuite, plus tard, aux élargissements. Les élargissements qui auront lieu, je vous le rappelle, dans les années 2000. Ça, on y reviendra plus tard. Sachez que dans les années 90, après la chute du mur de Berlin en 89, les pays du bloc de l'Est, redevenant libres et indépendants, vont donc tout simplement d'abord adhérer à l'organisation militaire du traité de l'Atlantique Nord pour se protéger d'éventuels retours de menaces de l'Est, savoir des Soviétiques, même s'ils n'existent plus, mais feront toujours de la Russie. Puis deuxièmement, dans les années 2000, bah, c'est le volet que ces peuples vont considérer comme économique, alors qu'il est bien autre chose, dans la construction européenne, c'est-à-dire l'adhésion tout simplement à l'Union européenne. Sauf que le drame, comme vous le savez encore aujourd'hui, c'est qu'ils considéreront adhérer d'abord à une union douanière, une union économique, alors qu'en fait, depuis 92, bah, c'est plus une union économique, mais une union européenne, c'est-à-dire la tentative de construction d'une fédération d'États-nations. Donc voilà, pour cet aspect important quand même de ces accords d'Helsinki, on voit que c'est un moment tout à fait fondamental, à la fois dans l'histoire de l'Europe centrale et orientale, et aussi bien sûr un moment fondamental dans, comment dire, sur le plan des relations internationales, dans la détente, Est-Ouest. On espère là que désormais la course aux armements va se calmer, d'autant plus que en marge d'Helsinki, ou pendant la mise en place de la signature des accords d'Helsinki, ben, il y a quand même deux traités de désarmement qui sont signés. Retenez-les quand même pour votre culture personnelle. Ce sont les premiers qui sont signés quand même, entre Nixon et Léonid Brejnev, le 26 mai 1972, les accords SALT-1. C'est-à-dire que ce sont des accords sur la limitation de fabrication d'armes nucléaires. Là aussi, on se dit, voilà, on a trop fabriqué d'armes nucléaires, on va maintenant commencer à les réduire. On part du principe que maintenant c'est la détente. Il faut arrêter, comment dire, cette accumulation de bombes destructrices. Et puis, deuxième point, c'est celui qui est signé plus tard, là, le 18 juin 1979. Il était temps, juste avant que tout s'effondre avec décembre 1979 et l'invasion de l'Afghanistan, entre cette fois-ci Jimmy Carter et toujours Léonid Brejnev, sont les accords SALT 2. Et on le sait bien, à la fin de l'année 1979, bah, la détente, mes pauvres amis, ce sera plus qu'un souvenir, parce que les Soviétiques
vont cette fois-ci tenter de contourner à nouveau contourner les accords d'Helsinki et ce sera l'invasion de l'Afghanistan. Toujours dans cette deuxième partie et en marge bien sûr des accords d'Helsinki, pour terminer cette deuxième partie, pardon, eh bien, il y a ce qu'on appelle, là aussi on va l'évoquer assez rapidement, la crise dite des SS20. Puisque, en gros, si vous voulez, de 73 à 75, c'est la montée vers les accords d'Helsinki. 75, on vient de l'évoquer, hein, c'est quand même un moment très important. Puis il va y avoir une petite période relativement de folle amour, entre guillemets, de la détente entre l'Est et l'Ouest, qui va durer de 75 à 77. Et puis voilà qu'en 77, eh bien, première alerte à nouveau, et cette fois-ci, ça va concerner une nouvelle crise internationale, si on peut dire, qui va être que les Soviétiques vont déployer sur le territoire, sur leur territoire, hein, plus précisément, eh bien, des fusées à moyenne portée, que l'on va appeler les fameux SS-20. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la crise des SS-20? Eh bien, en fait, les Soviétiques exploitent là une faille d'une part des accords de désarmement qui portent sur les missiles nucléaires à longue portée, mais pas sur les missiles à moyenne portée. Missiles à moyenne portée qui font de 500 à 5 000 km. Alors, sur le territoire donc, de l'URSS, hein, eh bien, donc, ils ne violent pas les accords d'Helsinki, puisqu'ils font ce qu'ils veulent sur le territoire de l'URSS, hein, les Soviétiques. On ne peut pas leur reprocher de semer la guerre en Europe, et notamment en Europe de l'Est. Là, il s'agit de fusées à moyenne portée déployées sur leur territoire. Et malheureusement, ces SS-20 visent, bien sûr, l'Europe. L'Europe de l'Ouest. Alors ça provoque à nouveau une crise, on hurle à l'hypocrisie soviétique qui là détourne non seulement les accords de désarmement en refabriquant des fusées cette fois-ci à moyenne portée, et puis détourne aussi les accords d'Helsinki parce que bien sûr il s'agit là d'une remontée de la tension internationale, mais pourquoi donc après ces accords signés en 75, est-ce que à nouveau faudrait-il menacer les principales villes de l'Europe de l'Ouest? Et la réponse à cela, eh bien, va être que le chancelier allemand de l'époque, qui n'est plus qui n'est plus Willy Brandt, hein, qui sera parti en 1974, mais Helmut Schmidt. Hein. Helmut Schmidt va totalement se ranger cette fois-ci du côté des États-Unis, ne pas forcément écouter les appels à la modération que les Occidentaux auraient pu lui adresser. Et on repart, évidemment, dans la fameuse réplique du berger à la bergère, si je puis dire. Et à partir du 14 novembre, décembre, pardon, 1979, eh bien, l'OTAN installe elle-même des fusées Pershing 2, hein, en réponse à ce déploiement de SS-1. Bref. Tout est à nouveau à refaire, ça recommence. La tension internationale militaire recommence à utiliser l'Europe, qu'on croyait pourtant enfin neutralisée avec les accords d'Helsinki, hein, pour s'affronter, se menacer, bien sûr. Il ne s'agit pas de tirer ces missiles nucléaires, mais bien sûr de s'en servir de façon dissuasive. Donc tout ça n'arrange rien. Nous sommes alors en 79. Hein, la crise va durer un certain temps. Hein, il va falloir quand même attendre 1987, hein, et Gorbatchev, hein, avec toutes ses réformes pour en finir avec ce déploiement de missiles SS-20. Donc c'est un bémol vraiment important à cette partie sur la détente. Et puis nous arrivons à la troisième partie. Alors bien sûr, vous constaterez que on est ici dans un format, j'en suis déjà à 34 minutes de ce cours qui est beaucoup plus rapide, fatalement, hein, puisque je ne vous projette rien, on est dans une situation de cours à distance, hein, donc il est plutôt concentré, hein, et donc bien sûr, il durera, comme vous l'avez compris, moins de l'heure et demie habituelle. Mais vous trouverez à la fin de ce cours, hein, je vous précise, les éléments illustratifs habituels, hein, qui par ailleurs vous seront envoyés également dans le cadre de mes envois pédagogiques hebdomadaires. Hein, voilà. Alors,
Concernant à présent la troisième partie, la fin d'une époque. Alors, la fin d'une époque, en effet, on l'avait bien compris, la crise des SS20 ouvre bien sûr à un retour de la tension internationale. D'autant plus qu'à la fin de l'année 1979, bien, les soviétiques vont commettre, si je puis dire, l'irréparable. C'est-à-dire que non seulement on a tenté de contourner avec le déploiement des SS-20 les accords d'Helsinki, vous avez bien compris pourquoi, parce que ces missiles sont déployés depuis l'Union soviétique et pas depuis l'Europe, ce qui est une hypocrisie totale, mais néanmoins c'est un fait. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, dans ces années marquées par la présidence de Jimmy Carter, hein, jusqu'en 81, pour les États-Unis, ce qu'on appelle le grand jeu. C'est le conseiller, le grand jeu international, c'est le conseiller de politique étrangère de Jimmy Carter, qui écrira un grand livre d'histoire des relations internationales qui s'appelle Le Grand Jeu. Et le nom de cet auteur est Zbigniew Brzeziński. Ne me demandez pas de vous l'épeler, c'est un nom polonais très compliqué, mais vous le trouverez dans les sources. Et le grand jeu à cette époque-là, en matière de relations internationales, c'est quoi? Bah, ça se passe évidemment en Asie. Pourquoi? Eh bien parce que, on le sait, Nixon avait enfin réussi à réguler les relations entre les États-Unis et la Chine communiste de Mao. En faisant quoi, Nixon? Eh bien, simplement en reconnaissant la Chine, ce que De Gaulle, d'ailleurs, aura fait aussi, bien avant, mais c'est important, c'est dans le cadre de la détente internationale. Et puis, on le sait, dans la carte régionale de l'Asie, eh bien, l'Inde, hein, bien sûr, est un État sur l'échiquier qui est plutôt du côté de l'Union soviétique et du camp socialiste à l'époque. C'est pas un pays communiste, l'Inde, mais il est rangé dans les pays non alignés, et on sait bien que les pays non alignés, Égypte, Yougoslavie et Inde, pour les principaux de l'époque, sont quand même de tendance pro-soviétique, même du bout des lèvres pour la Yougoslavie, mais ils ne sont pas dans le camp de l'Ouest. Et voilà que le nord de l'Inde, hein, comme vous le savez, quand l'Inde est devenue indépendante, le nord a fait sécession parce que c'était les Indiens qui étaient majoritairement musulmans. Ils ont créé un État. Hein. Cet État, c'est le Pakistan, hein, et capitale Islamabad. Hein, et le Pakistan, eh bien, est devenu très rapidement, hein, vu sa situation géopolitique, un pays sur lequel les États-Unis ont beaucoup investi. Hein, notamment, comme on le sait, en les dotant de l'arme nucléaire, hein, et de même pour l'Inde, hein, qui elle aussi sera dotée de l'arme nucléaire, non pas par les États-Unis, hein, mais par les Soviétiques. Donc là aussi, il y a une tension internationale qui se met en place, et au nord de Pakistan, hein, à peu près en sandwich, si je puis dire, entre le Pakistan et l'Union soviétique, hein, l'immense Asie centrale soviétique. Hein, c'est encore soviétique à l'époque, eh bien, il y a un État qui s'appelle l'Afghanistan. Afghanistan, petit État, enfin, petit État entre guillemets, montagneux, capitale Kaboul, hein, État musulman, bien sûr, et État qui, de tout temps, hein, n'a jamais été soumis par aucune puissance. Du temps des colonies, c'était les Britanniques, hein, qui avaient établi là un comptoir, un certain nombre de comptoirs coloniaux, et les Britanniques ne sont jamais arrivés à soumettre totalement le peuple afghan. Hein. Chaque fois qu'une puissance étrangère a tenté de contrôler ce pays, eh bien, jusqu'à l'heure actuelle d'ailleurs, hein, eh bien, comme vous le savez, ce sont les principales villes, hein, des vallées, hein, dont la capitale Kaboul, qui sont sous contrôle. Hein. Et puis, généralement, quand il y a des révoltes, etc., bah, ça vient de rebelles dans les montagnes. Et bah, c'est ce qui va arriver à l'armée rouge, car en décembre 1979, Brejnev crée, si je puis dire, l'état de surprise, hein, générale, puisque il va lancer, hein, le 28 décembre 1979, les troupes du général Borissov, hein, à la 40e armée soviétique, à l'assaut de ce pays. Pourquoi? Bah pour en prendre le contrôle. C'est l'opération Storm 333.
et qui va très rapidement prendre le contrôle de Kaboul, la capitale, des différentes vallées, mettre en place un régime à la solde de l'Union soviétique, hein, dirigé par Najibullah. Alors tout ça est évidemment encore une fois une très grande hypocrisie. Disons que un régime pro-soviétique avait été mis en place avant l'invasion. Ce régime, et vous reconnaîtrez là les vieilles recettes, n'est-ce pas, des années 30, prétend être agressé, risquer d'être renversé. Et donc, évidemment, les Soviétiques envoient l'armée rouge pour évidemment protéger le régime communiste de Najibullah. Voilà comment ça s'est passé. Mais tout le monde, personne n'est dupe de cette affaire, et surtout pas les Occidentaux qui voient là évidemment une invasion, une guerre d'invasion purement agressive de la part des Soviétiques pour prendre le contrôle tout simplement de cette zone de l'Afghanistan, hein, afin bien sûr d'en faire un tampon, hein, du camp communiste contre les Occidentaux. Voilà l'idée de base de Brejnev. Alors vous me direz, mais pourquoi nous parle-t-il, hein, pourquoi nous parle-t-il de l'Afghanistan? Justement, cette guerre qui va durer 10 ans, hein, il faudra là aussi que ce soit Gorbatchev en 89 qui y mette un terme, hein, par des négociations, fera quand même 12 000 morts du côté soviétique, 55 000 blessés, mais elle sera surtout le tombeau de l'armée rouge, car les soviétiques ne vont pas arriver jamais à prendre le contrôle de l'Afghanistan. Tout comme les Britanniques dans le passé. Ils seront harcelés en permanence par une guerre, comment dire, une guérilla de ce qu'on appellera les Moudjahidines, qui seront bien sûr, vous l'avez bien compris, suivez mon regard, financés par les États-Unis, hein, matériel militaire, en vivres, hein, et qui vont donc harceler pendant 10 ans l'armée rouge, hein, dans cette guerre qu'elle ne gagnera jamais. Les Soviétiques vont investir des fortunes dans cette guerre. Elle sera non seulement le tombeau de l'armée rouge, mais aussi tout simplement précipitera, hein, sera une des raisons qui précipitera l'Union soviétique dans la faillite économique, tout simplement, car la guerre, comme vous le savez, mes chers amis, ça coûte très cher. Donc, cette guerre d'Afghanistan est un levier, si vous voulez, qui va mener à la chute, en quelque sorte, de l'Union soviétique. C'est pour ça qu'elle figure dans ce cours d'histoire de l'Europe centrale, bien entendu. Et puis, dernier point de la troisième partie de ce matin, eh bien, c'est la situation en Pologne. Et oui. Parce que là aussi, deuxième levier, si vous voulez, important qu'il faut mentionner, c'est qu'en 1978, eh bien, cela nous amène à Rome, eh bien, un nouveau pape est élu. Et en succession du pape Jean-Paul Ier, éphémère pape d'origine italienne, et surtout du pape Paul VI, qui était un pape italien lui aussi, des papes. Que des papes d'origine italienne. Et puis en 1978, donc, c'est l'élection. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine, si on peut dire, d'un pape d'origine extérieure à l'Italie. Et non seulement d'origine extérieure à l'Italie, mais par-dessus le marché, un pape qui vient des pays de l'Est, un pape qui vient du bloc de l'Est, un pape qui vient de Cracovie, qui était l'archevêque de Cracovie, cardinal de Cracovie, que l'on appelle Jean-Paul II, il s'appellera Jean-Paul II, qui s'appelle Karol Wojtyla. 1978, c'est la première fois que ça arrive, et là, bien sûr, c'est dans le bloc de l'Est et dans le monde soviétique un tollé général, car on va voir en ce pape, et on aura raison de le voir comme ça d'ailleurs, comme un soutien, bien sûr, à la dissidence anticommuniste polonaise. Et à partir du moment où Jean-Paul II arrive au pouvoir en Pologne, lui aussi va mettre en place, on le sait maintenant grâce aux archives, une hoste politique. Mais là, ce n'est pas du tout une hoste politique pour la détente, mais une hoste politique pour soutenir le principal syndicat contestataire polonais qui s'appelle Solidarité, Solidarnosc, avec son chef, l'ouvrier de chantier des chantiers navals de Gdansk, Danzig, ville polonaise sur la mer Baltique, qui s'appelle, évidemment, vous le savez, Lech, hein, comme on pense en polonais, Lech Walesa.
Et 1979 aussi, c'est l'année, un an après seulement, du premier voyage de Jean-Paul II en Pologne, où une foule gigantesque va l'accueillir, et que la direction communiste polonaise n'a pas osé interdire ce voyage, évidemment, afin d'éviter que l'influence de Jean-Paul II ne soit encore plus importante. Et ça va être donc effectivement une marée humaine qui va accueillir ce pape, tant et si bien que le 13 mai 1981, eh bien, comme vous le savez, il va y avoir une tentative d'assassinat de Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre à Rome. Et cette tentative d'assassinat, on le saura plus tard, aura été commanditée via ce qu'on appellera la filière bulgare. On a évidemment le tueur, enfin celui qui tentera de tuer Jean-Paul II, était turc, mais c'était un agent des services bulgares et probablement commandité, hélas, par l'administration Brejnev finissante. Ça ne va pas empêcher, bien au contraire, Jean-Paul II de gagner en influence et de soutenir, évidemment, massivement le mouvement qui se lance de grève à partir de 1980, qui va entraîner le 5 septembre 1980 la démission de la direction du Parti communiste polonais tout entière et l'arrivée au pouvoir d'un général, parce que là aussi les soviétiques ne veulent pas que l'on hurle à une violation des accords d'Helsinki qui sont toujours en vigueur. Et donc, en gros, le message de Moscou sera de dire aux communistes polonais, ben vous réglez vos problèmes entre vous. Et Moscou va soutenir, évidemment, matériellement et militairement, surtout l'arrivée d'un homme, le général Jaruzelski, ministre de la Défense, hein, qui va devenir le chef du gouvernement et le chef du Parti communiste polonais, et qui va mettre en place ce qu'on va appeler la loi martiale, hein, du 13 décembre 1981 au 31 décembre 1982. Alors cette loi martiale, évidemment, eh bien, va entraîner une répression totale des grévistes, des arrestations. 10 000 cadres syndicaux seront arrêtés. Les chars seront à nouveau dans les rues de Varsovie, mais cette fois-ci, il s'agit des chars polonais, et on ne pourra rien dire, puisque c'est le principe de non-ingérence, hein, encore une fois, et que surtout, ce sont les Polonais eux-mêmes qui, entre guillemets, auront réglé leurs affaires. 10 000 cadres internés dans 48 camps politiques. Voilà ce qu'on va appeler l'état de siège en Pologne. Ça va quand même durer jusqu'à la fin de l'année 82, une année entière quand même, hein, une fois de plus, qui montre la faillite totale, hein, tout simplement, du joug soviétique sur le bloc de l'Est, hein. Ça recommence en Pologne, vous le savez, ça va recommencer aussi en 89. On le verra en détail la semaine prochaine. Voilà donc, mes amis, en quelques points, comment nous pouvons résumer, hein, en quelque sorte, ce qui aura été la normalisation avec l'Europe de l'Est de 69 à 81. Vous l'avez vu, montée vers la détente, point de détente importante avec Helsinki, et puis de nouveau, retour vers la tension internationale. On aura l'occasion donc de voir la suite la semaine prochaine. Je doute fort que d'ici là l'université soit ouverte. Donc nous nous retrouverons donc le lundi, alors je reprends la date ici brièvement, 23 mars, hein, pour la suite, c'est-à-dire la conclusion de tout cela, hein, les années 80 jusque la chute du mur de Berlin et tout ce qui va se passer, hein. Et puis, toujours en format à distance, je vous propose un troisième cours, hein, le 30 mars, comme prévu, qui était une grande séance de révision en vue du partiel du 20 avril. Voilà. Je vous rappelle à toutes et à tous que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube sur laquelle j'ai mis ce format donc, de cours, que bien sûr, vous avez accès toujours à la petite fiche vidéo qui résume le cours d'aujourd'hui, bien sûr,
Hein, et que, bien sûr, vous avez aussi les éléments qui vous sont envoyés toutes les semaines par mail, par mes soins, les différents liens, les différentes informations liées à ce cours. Je vous remercie de l'avoir suivi. Portez-vous bien toutes et tous. Et je vous dis de toute façon, en tout état de cause, à la semaine prochaine, c'est-à-dire le 23 mars 2020. À bientôt. Je suis bien sûr disponible pour vous répondre d'ici là. À bientôt. Au revoir.